Bonjour YouTube et bienvenue pour une nouvelle découverte de démo. Et aujourd'hui, on est parti pour Dug Detective de Secret Salami. Donc, on est toujours en stream, toujours le même jour que Synergie. Petite musique. Salut, c'est une petite démo toute courte, 10-15 minutes. On espère que vous allez apprécier et que vous allez être excité de jouer au prochain, enfin, au jeu. Il y a plus de 1000. D'accord, super. Ah, ça se joue à la banane. Option. La plus grosse résolution, dont je ne veux pas enfenêtrer. Moi j'aime bien un peu quand c'est une petite ambiance jazzy, bien sympa. J'en viens après, il n'y a pas de souci, Flo. Alors, life wasn't easy. la vie, c'était pas facile. I was a freshly divorced duck, not able to pay next month's rent. J'étais un canard fraîchement divorcé. Et j'étais pas capable de payer le loyer du prochain mois. C'est pas comme si j'avais payé pour celui-ci, de toute façon. J'avais le cerveau dans les vapes. Et j'essaie de me rappeler. Où est-ce que tout mon argent est passé? Je devais retracer les pas. Enfin, je devais repasser mon trajet de la nuit dernière. Ok, petit problème de ma soeur, qu'est-ce son lit? Je vais éviter de faire des blagues, moi. Écoute, tu l'as réparé du coup? Ou alors, genre, si elle l'a pété parce qu'elle sautait dessus dans un coin, bah tu te mets dans l'autre coin, tu sautes dessus, et comme ça le pète des deux côtés. Comme ça, il est redevenu droit. T'as plus de sommier, mais il est redevenu droit. Allez, hein. Alors, les déductions, qui seront intraduisibles en français, en fait, on dirait les décanardutions, enfin bref, c'est une partie vitale du boulot d'un détective. Trouver des indices en questionnant des personnes et en inspectant vos alentours. Entrer des indices dans les espaces pour faire des déductions. Alors, donc le nid. Nanana a passé à dépenser son dernier, enfin ses derniers sous sur nanana pour nanana. Alors c'est quoi ça? Pas de message. Par contre, le jeu il est beau. On dirait, c'est totalement. En fait, c'est du Paper Mario. Je sais pas, j'ai mis un bout de C4 pour me régler. La voiture. Et là, tu sais, tu vois la voiture. Tu dors dans la voiture. J'aurais plus besoin de ce badge maintenant. J'imagine que je peux le garder comme souvenir. Mon nouveau boulot en tant que le détective canard, ça s'arrange pas. Si les choses continuent à aller aussi mal. On va peut-être le vendre en ligne. D'accord, ça m'a l'air d'être un indice. C'est quoi ça, c'est du pain de mie? Oh, cette odeur. Oh, quel pain de mie spongieux. Oh, tu me gardes en sécurité la nuit. Franchement, le jeu, déjà, je kiffe. J'adore, déjà. Je sais plus quand il sort. Il soupire. J'ai pris cette photo dans un champ de tulipes. On a parlé pendant des heures sous les étoiles cette nuit. Et maintenant, elle ne répond même plus à mes messages. Ça m'a l'air d'être un indice. J'arrive pas à croire que Anna a rempli les papiers de divorce. Ah merde, deuxième facture. C'est une relance de facture. C'est quand tu payes pas ta facture, il t'en renvoie une autre en disant que tu l'as pas payé et en plus des majorations. Je me demande à quel point il commence à virer les gens. J'ai tout ce qu'il faut pour résoudre cette enquête. Alors du coup. Alors. Alors, le deux détectives a utilisé son dernier argent sur du bread pour le duck détective. Ouais, c'était ça. Il a acheté du pain pour lui. Quelle belle enquête. C'est pas mon moment le plus fier. Mais ce pain, ça m'aide à oublier. Vous savez que le pain, c'est mauvais pour la santé des canards en plus. Genre sans déconner. Attendez, faut absolument que je vous montre ça. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai passé ma vie les donner à manger aux canards avec du pain. Avec du pain dur. Parce que eux, on va pas leur donner du pain frais. Donner du pain au canard. Merci Sherlock. J'ai pas la ref.
Donc le pain est dangereux pour les oiseaux, même si c'est alors ça, le pain est très mauvais pour les canards, cygnes et autres oiseaux. Il peut même leur être fatal, ils gonflent dans leur estomac et est mal digéré. Mais il leur apporte pas les nutriments dont ils ont besoin. En fait, c'est comme si tu les gavais. Donc faut absolument pas de... En fait, c'est très mauvais pour le pain, enfin pour les canards le pain. Même si, comme j'ai dit, donner à manger aux canards, c'est un truc que je faisais quand j'étais gamin. En vrai, je pourrais tellement prendre un screen. Par contre, avec le canard dans la lumière, s'il vous plaît. Bon, on verra peut-être plus tard pour le screen. Anna! Anna! I'm a different duck now. Je suis un canard différent I maintenant. haven't had a slice of bread in weeks. J'ai même pas eu une petite tranche de pain depuis des semaines. Tu pourras me croire. Monsieur le commissaire. Oh. J'adore. Oui, vous parlez. Vous parlez au détective canard. Bon, bah voilà. Hein. J'en étais sûr. On va en discuter en personne. Je serai là dans 1 heure. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien en vrai. J'adore. J'ai pris. Ah oui, j'ai dépensé plus de la moitié de mon argent qui restait pour le ticket de bus. Et voilà où j'étais. Devant l'office du Birbus. Devant une espèce de call center abandonné. Je devrais bientôt terminer cette affaire, sinon j'aurais pas assez d'argent pour rentrer à la maison. Bon, totalement inscrit ici. Trop bien. Ah mais le jeu dinguerie quoi. Le jeu dinguerie. J'ai trop envie d'y jouer là. Enfin j'y joue mais de faire la démo. Enfin de faire le vrai jeu. Une nouvelle route commencera en août. Visiter les montagnes scéniques de Salsicia. J'avais toujours dit à Anna qu'on irait là-bas un jour. Il y a un truc à regarder là dans la... Dans la... Oh, putain ouais, même les collisions du jeu sont bien faites. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Reste là jusqu'à ce qu'on me redonne mon argent. Birbus? On dirait Scambus. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air heureuse. Pour ça qu'il est détective. Et bien sûr que je le suis. Ces bus stupides arrivent toujours en retard. Je reviens d'un voyage pour le boulot à l'est, à l'ouest, pardon, et nous sommes arrivés à 3h du matin. Vous n'êtes même pas me rembourser. Vous avez payé combien? 2 schmarks. C'est pas le point. C'est le principe. Je sais pas ce que c'est 2 schmarks. Trop marrant quoi. En fait c'est Black Sad mélangé à Paper Mario. C'est très très bizarre comme, comme univers. Je vais devoir rentrer hein. Ah là je suis dans ses pensées du coup c'est ça. Je pouvais déjà dire sur la tête de la réceptionniste que c'était une dure. Elle n'allait pas prendre la vie facile. Alors je devrais, alors que je devais aller directement aller dans le bureau. Je vois pas pourquoi je m'emmerderais. Ah, je peux faire un truc. C'est pas moi. Ah non, c'est parce que je touche à la souris avec mon avant-bras, avec mon poignet, pardon. Du coup, bah oui, forcément. Bon, on va lui parler, on va lui demander son petit nom. Je suis le détective canard, je suis là pour investiguer. Ok. Vous travaillez ici? Bah non. Bah, je peux pas vous laisser rentrer. J'ai été engagé par quelqu'un de Birbus. Lisa? J'ai pas eu leur nom. Écoutez, mec. Vous devrez plutôt sortir de là ou alors je devrais appeler la sécurité. Il y a toujours plus de personnes que vous pourriez penser. Je devrais regarder d'un peu plus près et, regarder voir qui elle est. Investigation, inspection. Utilisez la loupe pour trouver des indices. Et appuyez sur croix pour les découvrir. Name tag, last name, Vidvider. Elle est endormie, enfin elle est à moitié endormie. Elle a une larme, elle est triste. Elle est triste!
Pardon. Elle aime les Kitties. Moi aussi, j'aime bien Cookie. Fan de K-pop. Bah, mérite d'être malheureuse. You're still here. I'll leave you alone. Je peux lui parler, non? Tu veux que je fasse quoi de plus? Ah, pardon. Laura de CS fait trop de bruit. Je peux entendre son clavier de l'autre bout de... Enfin, depuis mon bureau. First name, Laura. C'est Sophie. Du coup, elle s'appelle Sophie ou Laura? C'est l'anniversaire de Sophie. Thursday, c'est jeudi. Putain, j'ai pris beaucoup de temps à dire que Thursday, c'était jeudi. Je jure à Dieu que si quelqu'un vole mon mug encore une fois, je vais le terminer. Suggestion. C'est plutôt mondain. Je suis surpris que quelqu'un, que personne n'ait écrit quelque chose de plus scandaleux. Mais je devrais déduire son nom maintenant. Donc c'est important de trouver les noms des suspects pour résoudre l'enquête. Entre son premier nom et son dernier nom dans les slots. Je trouve que c'est Laura. C'est pas Laura. Donc c'est Sophie. You're still here. Good observation, Sophie Windheimer. Get out. Voilà, ça n'a pas marché. Aren't you impressed I deduced your name? C'est presque comme si c'était ton métier. I'm wearing a name tag, nitwit. J'ai un badge avec mon nom écrit dessus, tête de nœud. J'ai pas dit, mais ça ne dit pas ton premier nom. Ça c'est flippant, mais je décide de l'ignorer. J'ai besoin de trouver autre chose. Un smiley. Happy. Le 7. Today. Girafe, cute. Demain c'est vendredi. Je devrais récupérer mon linge propre. Je devrais réussir à comprendre ce qui va pas avec elle. Je dois checker mes notes dans la section de déduction. La réceptionniste, donc Sophie, elle est triste parce que people have stolen son mug. Il y en a trois qui sont faux. Bah, elle est triste. Parce que le duck détective... Parce que personne... Ah d'accord, parce que personne... Ah, personne s'est souvenu de son anniversaire. C'est bon. C'est pour ça qu'elle est si triste. Je devrais essayer de lui remonter le moral. Ouais, je suis sûr que je peux encore passer. Hein. You're still here. J'adore parce que c'est vraiment... T'es toujours là. Oui, je me casse, je regarde dans la boîte. Ah ah, tu t'appelles Sophie. Oui, et... Il repart. T'as vraiment le bruit de canard, donc c'est... Il revient. Bon anniversaire. Cette enquête n'aboutira pas. Je suis là pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Comment tu le savais? Encore une des plus grandes déductions de ce cher duck détective. Hein? Bah, c'était très gentil.
Personne s'en est souvenu, tu arrives à y croire. Tu connais mon anniversaire, tu as peut-être une connexion avec quelqu'un ici. Voici la clé pour le bureau. C'était simple. Cool. Et puis, puis salut. Vas-y, tchuss. Oh, un crocodile. Avec du saucisson. Oh putain, ouf, la tapisserie au mur, les tapis et le papier peint qui est en train de tomber, c'est juste avec une odeur de café froid et de rêve abandonné. Je savais que je ne pourrais pas rester plus longtemps ou alors aller déteindre sur moi. C'est la dernière paille. Fredderson a besoin d'être viré. Je vais voir ce que je peux faire. Merde. Bonjour. Qui êtes-vous? T'as un problème, mec? T'en as un? Tu appelles notre putain de call center. Je suis Eugene McQuacklin, le Duck Detective. Un client m'a engagé pour investiguer. Vous l'avez pas dit plus tôt. Oh, c'est l'heure que nous mettions fin à ce vol de déjeuner. Tout ce que nous avons juste besoin de le virer. C'est juste quelques indices pour les managers au-dessus. Je serai dans mon bureau. Très bien. Bon, d'abord, je voudrais savoir qui vous travaillez ici et qu'est-ce qu'ils font. Je dois également trouver mon client. Inspecter la scène de crime, ce sera important également. Mais c'est une démo. Alors, tu devras attendre pour voir le reste du jeu. Merci de jouer. Ah, c'est tout ! Ça, par contre, c'est excellent. Bon, YouTube, tu auras compris, même Twitch, hein, vous aurez compris que j'adorais. On va choper quelques informations sur le jeu et je vais vous laisser du coup. Ah, je m'attendais pas à qu'il fasse point. The Duck Detective, donc. Ah, The Secret Salami, ça doit être ça, le fameux vol de déjeuner. Hein. The Secret Salami. Ça sort le 29 janvier 2024, je pense pas, parce qu'on est. Aujourd'hui le 5-4 mai, ça n'est pas sorti. Le 23 mai. Écoutez, mesdames et messieurs, le 23 mai sur Switch et PC. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Voilà. YouTube, c'est une fin de démo du coup. J'espère que ça t'a plu. Cette vidéo sortira du coup. En toute logique, je vais me faire chier, mais je vais devoir rebouger. Toutes mes vidéos en fait. Encore que le 14. En fait, le truc qui va se passer, je pense que en fait, la vidéo que vous avez vue avant de Synergie sortira le 11 et celle-là sortira le 14. Je pense. On est aujourd'hui le 4, donc c'est dans pas longtemps du tout. On va voir ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne pour rater les prochaines démos, découvertes, ce que tu veux. J'espère que ça t'a plu. Gros bisous YouTube et à la prochaine.